Mais parce que l'exigence moderne s'est contentée de dire les questions religieuses se voient pas. Chez vous, à place publique, je ne veux pas en entendre pas. Ça, c'est pas. Mais allez voir dans les autres religions pour en tirer des expériences, hein, des non, retours d'expérience, ou pour justifier en disant des autres religions sont. Non, non, c'est pour comprendre qu'est-ce qu'une religion. Quelle est la fonction spécifique des religions. Ça, c'est très important, et nous le connaissons. Et nous avons besoin de le connaître parce que ce qu'on appelle la religion envahit tout et nous fait faire tellement de bêtises parce que nous ne sommes pas armés. Nous n'avons pas les outils du bon chirurgien pour opérer la société. Dans son ensemble, telle qu'elle fonctionne. Parce que la modernité n'a pas pris au sérieux la question du religieux. Elle n'a pas pris au sérieux. Elle s'est contentée de le mettre à l'écart. Et de l'enfermer dans ce qu'elle appelle la sphère privée. Et intellectuellement, ça ne marche pas. Intellectuellement, ça ne marche pas. هذا بالك ان شيف تيرورست ولا درك بالك il vient de dire que mettre la religion seulement dans la sphère privée intellectuellement ça marche pas وهاد لا فيديو راح نحطها لكم كاع باسكو مانيش حاب نجوز انا 32 minutes 51 secondes وين اركون il parle de la postmodernité. On voit dans toutes les sociétés, la religion, elle prend de la place, plus. Mais c'est quoi la société liégeoise? Quand des gens comme Arkon, ils sont honnêtes, ils se posent des vraies questions, ils analysent. Ils ne partent pas d'une subjectivité que j'accuse, je refuse l'autre, l'autre est le mal, moi je suis le bien. Arkon, il analyse Zef. Ou ce qui est bon chez Arkon, c'est que il le dit. J'ai pas la réponse. Et c'est ça l'honnêteté intellectuelle. Comment on se marche? Spirituellement, ça n'est pas acceptable. Parce que l'homme a besoin d'émotions. Il a besoin de rêver, de se dépasser, de s'étendre. La religion lui a permis ça. Et en même temps, la religion l'a conduit à construire la cité de la manière que nous connaissons. Et c'est ça qu'il faut affronter au long. Et qu'est-ce que vous pensez du stade politique? L'expérience, par exemple, iranienne, où l'islam tient les rênes du pouvoir, c'est l'exemple de l'Iran. Alors, il ne faut pas dire l'islam, vous voyez. Au nom de l'islam. Non, de la position également musulmane, mais qui est soumise. Mais ça n'est pas une mince différence. Bon, voici un monsieur qui dit, moi j'arrive et je vous parle au nom de l'islam. Du point de vue de la tradition musulmane, il n'a pas le droit de dire. Il ne peut pas faire abstraction. Que du sang a coulé depuis 661, Ali et Mouawiya. Et brusquement, il arrive comme quelqu'un qui descend du ciel et dit maintenant, voilà le véritable islam. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a jamais le droit de confisquer une religion à soi tout seul. Exactement, Yachin. Pour une fraction contre d'autres fractions qui s'en retournent.
Donc je ne rejette pas Khomeini d'une façon arbitraire. Je dénonce la manipulation qui fait du mot islam contre les autres, contre Ben Laden et contre tous les ulamas en général, ceux qui parlent à la télévision et qui s'approprient une autorité qui ne manque pas. Et cela, hélas, les gens ne le savent pas. Il faut, c'est, voilà pourquoi j'insiste sur l'histoire. Les choses ne sont pas nées hier. Et les difficultés que nous portons en nous, sans pouvoir en rendre compte, et sans en avoir une conscience claire, c'est considérable. Ce sont ces choses-là qui nous font agir, à notre insu, pour produire des conduites, encore une fois, intolérables. La conduite terroriste est intolérable. On ne peut pas la mettre en équation avec l'islam, ou en équation avec le christianisme, ou l'hindouisme, ou autre chose. Je pense avoir été assez clair là-dessus. Oui. Merci. Merci, M. Afkoun. Merci de dire que je n'ai pas de réponse et que c'est une question qui est d'actualité, mais ça ne veut pas dire nécessairement que on a une réponse. Il y a des questions, alors Wahdi pose des questions sans nécessairement dire que moi je détiens la vérité, que l'autre ne sait rien. Donc tu penses que peut-être toi tu tiens une part de vérité, mais c'est sûr que l'autre détient une part de vérité aussi. Mais tu as oublié ou tu fais moche avec l'autre. Faut que tu doutes d'abord de ne pas que tu as un déclin. Ou bien tu sais que l'autre لازم دير الثقة بلي بوتيتر عنده الحق. سي تو بار دو ليدي بلي كنت عندك الحق و تو فا ايسي دو بروفي تا فيريتي، هذا سو ني جامي ان ديبا. دونك ولا حبينا نهضرو على ديبا، انا جو نو لو نومري با دو كوم ديبا لي تيرم، باسكو لي تيرم عندهم معنى، لو كونسيبت عندهم معنى. La laïcité, c'est un concept, certes, je fais France, hein, mais qu'est-ce qui nous concerne, nous, l'homme, que musulmane, qui m'a dit, c'est un mal de din, c'est ça. On parle de la sorte de la vie, ou la on parle de la vie, de la vie, de la vie. Alors, c'est ça, les gens, je vais vous dire. Est-ce que la vie, c'est la لتتهم السلطة بأنها ليست من الدين أو جزء من الشعب موش من الدين. هل الحكومة عندها الحق لأنه طلع له في السلطة جب التحرير ولا جب الإسلامية لإنقاذ ولا كيك سوى il devient représentant de Dieu sur terre. هو اللي يقول أنا نعرف ودوما ما تعرفوش. هذه الأسئلة، أسئلة اللي تاريخ تاع الإسلام كاع يبين بلي أنا با يو با طول طون، مي أنا با يو أون ريبونس إكزاكت و ساتيسفيزونت. و تاريخ تاع الإسلام والفكر الإسلامي إلي بلان بلان دو 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 كا وين استعمال الدين من طرف السلطة كان خاطر على الدين قبل كل شيء وعلى الناس. ما بريمير فوا انا هضرت مع واحد انا كليرمون سور ان سوجي هو مع سالي ايكولو. السؤال اللي طرحو قال شكون يعرف حاجة على خلق القرآن وكذا، وانا جاوبت له شوية هكذايا وكتبت له.
المسألة تاع خلق القرآن الأمير تاع اللي كان هذا في الوقت الخليفة كان يقتل كان يقتل اللي يقولوا بأن القرآن مخلوق هذا رأي تأويل واش قرأ الناس في القرآن يأول ويزيد فكر هذا رأي إنسان يقول القرآن مخلوق يموت الأمير الخليفة اللي جا موراه كان يقتل اللي يقول بأن القرآن أزلي ولي دو كانوا يسموه خليفة والخليفة معناها خليفة الله فوق الأرض باسكو خليفة الله فوق الأرض هي فريمون خليفة باسكو il tue deux personnes qui disent il y a deux choses opposées ou les deux cas ils mentent. Hadou ma les questions qu'il faut se poser. Est-ce que le futur tana huwa hak daira hikoun? Je pense que ou lahem beoun débatte ou fouaïj de la société tana. Faut pas n'ardou les concepts tels que définis dans d'autres cultures. Pardon. Voir l'histoire ou l'expérience dans les autres, c'est très important. Vous savez, vous avez dit que vous avez le bled ou le malek, et au monde, je vais dire la vision que le musulman sur le monde. Il faut que tu aies le tarif. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut que tu fasses pourquoi ça n'a pas marché. Au moins, tu te harabes maintenant. Ou ça concerne tout le monde. Hadou les rahoum yahadou bismuddin ou hadou les rahoum contre le din. Ça concerne tout le monde. Tout le monde devrait aller revisiter l'histoire, revisiter l'héritage, le Torah islamique. Ça nous appartient à nous. Tous. Ça n'appartient pas aux ulama ou la wahhabiyin ou la khwanjiya. Salam alaikum ya khawti. Wotallah firakum. C'était bref. Ou je pense que c'est la dernière fois qu'on a fait ce sujet. Wassalam alaikum.